Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Malimax, JP avec vous. Allez, aujourd'hui, allez, on va vous montrer comment on fait ça, hein, comment j'arrive à faire ça. Alors, on va travailler ensemble. Allez, c'est tout simple, vous allez voir. On va annuler ça. On va aller tout simplement ici sur donc l'explorer. On va aller sur images. On va chercher deux images. On va chercher une image de fond, d'accord. Donc, par exemple, colline par exemple, ok, colline. Donc bien entendu, hein, c'est toujours ici dans outils, je vous avais expliqué ça dans Illustrator, il faut demander les droits d'usage. Donc les droits d'usage, vous cliquez dessus et vous demandez des images que vous pouvez utiliser et modifier. Donc voilà, vous cliquez là-dessus. Donc c'est tout ça, ces images que vous pouvez utiliser et modifier. Donc vous prenez les images là-dedans, celles que vous voulez. Quand vous avez choisi une image, vous cliquez dessus, vous faites afficher l'image, vous faites clic droit avec la souris et vous faites enregistrer l'image sous, ok. Pareil ensuite, après moi je cherche une image de femme, donc celui-là je ferme là et je vais marquer une image de femme, ok, je marque femme, ok. Donc toujours avec même chose à réutiliser, les modifications autorisées. Donc j'ai pris cette femme, vous pouvez prendre une autre femme, par exemple je peux prendre celle-ci. Elle est très jolie. Allez, on va donc prendre cette image, afficher l'image. Elle est jolie, on va la prendre, enregistrer l'image sous. Donc je vais enregistrer donc moi sur mon bureau, sur mes fichiers Photoshop. Ok, on peut fermer ensuite, hein, voilà, on peut fermer tout. Et on va donc lancer, ouvrir ces images. On va aller donc sur ouvrir, on va sur fichier, ouvrir. On va ouvrir ces deux images, on va donc chercher le fond. Moi par contre j'ai pris un autre fond, hein. J'ai prendre ce fond là, donc je clique sur CTRL, je prends ce fond là, et l'image que je viens de prendre, elle est où? Elle est là, donc je reste appuyé sur CTRL, j'ai choisi cette image. Donc j'ai choisi deux images, en appuyant sur CTRL, hein. J'ai choisi deux images, je fais ouvrir. Parfait, donc j'ai l'image, donc de la nana et j'ai l'image du fond. Voilà, donc l'idée en fait c'est maintenant c'est de juxtaposer. Donc on va simplement aller sur fenêtre ici et on va aller réorganiser. On peut soit les juxtaposer donc l'une à côté de l'autre, ou soit on peut aller sur ici deux vignettes verticales. Vous cliquez bouton gauche. Voilà, nous avons à gauche la jolie demoiselle et à droite nous avons le fond, d'accord. Ben, qu'est-ce que nous allons faire? Ben, nous allons simplement ici aller dans l'outil ici, l'outil déplacement ici, et nous allons donc cliquer bouton gauche de la souris sur la demoiselle. Vous restez cliqué, vous restez appuyé et vous glissez sur l'image de fond et vous lâchez le clic. Voilà, on peut supprimer cette image, on n'en a plus besoin. Voilà. L'idée maintenant c'est que cette image donc de la demoiselle recouvre l'image de fond. En fait il faut qu'elle soit au premier plan, d'accord. Donc d'abord ce que je vais faire, je vais utiliser le calque. Donc ici le calque, si vous l'avez pas, vous allez sur fenêtre, vous allez ici sur calque ici, voilà, vous cliquez sur calque, vous cliquez bouton droit. Bien sûr, ce qu'on va faire, on va d'abord convertir en objet dynamique, hein, de façon à ce qu'on puisse modifier la photo à notre comme on en a envie. Voilà, donc on convertit cette image en objet dynamique. Voilà, c'est fait, vous avez bien le petit rectangle ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va simplement agrandir cette image, on va agrandir. Donc pour ceci on va aller dans ici édition, nous allons aller dans transformation manuelle ici, et maintenant on peut modifier la taille. Donc moi je vous conseille d'appuyer en même temps sur la touche majuscule, hein, c'est la touche au-dessus de contrôle du clavier, la touche majuscule, vous restez appuyé dessus et vous tirez la photo donc de façon à ce qu'elle recouvre tout. Voilà, là elle recouvre mon image de fond, on le voit ici, hein, on le voit, elle recouvre mon image de fond. On peut lâcher la touche et maintenant donc on accepte, on valide ici, on valide, ok, c'est validé, c'est parfait. Maintenant ben, on va faire un calque de fusion. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va demander ici à faire un calque de fusion, mais avant de cliquer là-dessus, nous allons d'abord appuyer sur Alt parce que nous allons faire un calque de fusion. Je vais vous montrer. Alors
vous appuyez sur Alt, calque de fusion, vous cliquez. Là où vous voyez maintenant, vous avez donc la photo de la demoiselle, donc ici, et vous voyez ici, elle est donc en objet dynamique, d'accord. Et nous n'allons pas travailler sur la demoiselle, d'accord. Nous allons travailler plutôt sur ici, sur le cadre noir, ici, d'accord, sur le calque, sur le calque de fusion, d'accord. Nous allons travailler ici, donc vous cliquez bouton gauche sur ici, sur le calque de fusion. Nous allons aller sur l'outil ici dégradé, l'outil dégradé, et on va choisir noir et blanc, hein, ici, vous pouvez changer de couleur, hein, blanc et noir, noir et blanc, moi je laisse noir et blanc, ok. Et nous avons ici plusieurs possibilités, hein, nous avons linéaire, nous avons nous avons plusieurs possibilités. On va prendre le linéaire d'abord ici, on va prendre d'abord linéaire ici, et qu'est-ce qui se passe, donc nous sommes bien sur l'outil ici, l'outil dégradé, d'accord. Et bien on clique bouton gauche de la souris, on clique, on tire, et voilà, on peut faire apparaître la demoiselle un petit peu comme on en a envie, d'accord. Voilà, on peut faire plus grand, plus petit, donc vous tirez un petit peu dans tous les sens, vous pouvez aller tout droit, vous faites un petit peu comme vous voulez, c'est vous qui voyez, vous pouvez faire très grand, très petit, voilà, c'est en fait... Là, je vous montre la base, hein. Il y aura d'autres techniques, mais après, je vous montre les bases. Hein. Après, donc, de temps en temps, allez dans Fichier, vous allez de temps en temps enregistrer sous. Alors, on va appeler ça Test. Moi, je vais l'appeler Test. Test 01, parce que j'ai déjà fait un test. Donc, Test 01. Quand ça me plaît, donc je fais enregistrer, donc en format Photoshop, bien sûr. Hein. Donc, c'est ici, hein, format Photoshop. De toute façon, il s'y met automatiquement, puisqu'on a mis ici des calques. Donc on fait enregistrer, et donc après vous pouvez modifier et puis enregistrer, donc je vais modifier, je vais tirer un peu plus, je vais modifier comme ceci, je vais un peu aller par ici, voilà, comme ceci là, voilà, je vais pareil, fichier, enregistrer sous, faites des tests comme ça, donc test maintenant je fais 02, test donc je fasse là, 02, ok, enregistrer, etc. Maintenant je vais utiliser plutôt le radial. Voilà, on va prendre le radial ici, et donc là on va partir du centre ici, on va se mettre au centre, on va tirer comme ça, ok. Alors là vous voyez, là le fond par contre on le voit pas, on voit plus la nana que le fond, mais ben, on peut inverser la chose, on va ici là en haut sur inverser ici, voilà, et ça va prendre effet seulement à partir du prochain clic que vous allez faire. Donc je vais cliquer au centre ici, je vais faire ça. Hop, et voilà, on peut voir le visage de la nana comme ceci. Alors faites des enregistrements de temps en temps, hein. Faites des enregistrements. Allez, test numéro 3, donc enregistrer sous. Alors test numéro 3. Enregistrer, etc. Amusez-vous, faites des essais et tout, d'accord. Voilà, c'était donc la première partie. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est... par exemple, je ferme ici. Je vais ouvrir à nouveau, je vais ouvrir mes trois images, je vais ouvrir toutes les trois, hein. Donc elles sont toutes les trois ici, test 1, test 2, test 3, test 01, donc j'appuie sur CTRL, je choisis le test 01, le test 02 et le test 03, et je les ouvre toutes les trois. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement les juxtaposer, hein, donc là je vais aller sur réorganiser, et donc ces trois vignettes donc verticale. Voilà, et là vous pouvez voir un peu, donc vous pouvez vous mettez donc en outil déplacement ici, j'aurais dû appuyer sur espace, voilà, comme ça c'est mieux, et voilà, vous déplacez donc votre travail, vous le déplacez pour voir. On dézoome un peu. Bon, pour vous dézoomer, vous appuyez sur Alt et vous dézoomez un peu. Ok, celle-ci, on va dézoomer un peu. On va la repasser en appuyant sur espace. Allez, on va faire ça. On va dézoomer un peu. Voilà. Et troisième image, pareil. On dézoome un peu. Voilà, vous voyez un peu, voilà, et là vous choisissez quelle est l'image qui vous plaît le plus, et calque de fusion, hein. Donc moi je vous dis à bientôt les amis, et puis si vous aimez ma chaîne, like, abonnez-vous,
Moi, en tout cas, je me plais bien avec vous. Ciao, ciao, c'est JP Animax.